Hello les Naledji, j'espère que vous allez bien et que ça brille de votre côté. Moi en tout cas, ça brille. On se retrouve pour notre émission hors-série numéro 5. Cette fois-ci, nous sommes du côté d'Évry-Courcouronnes, précisément au stade Jean-Louis Moulin, pour la première Coupe du Monde féminine des quartiers organisée par l'association Idaraya. Au programme, des joueuses venant de toute la région, des animations tout le long de la journée et bien évidemment des surprises dont un voyage en Côte d'Ivoire tout frais payé pour assister à la CAN 2024 pour l'équipe gagnante. En attendant le lancement de la compétition, je suis partie à la rencontre des joueuses, partenaires et du staff. On a décidé de participer au tournoi pour représenter le Sénégal. Grosse force à Idaraya. Bonjour, en fait on représente l'Italie. On a participé parce qu'on aimait bien le foot. Et force à Idaraya. Viva l'Italie. Viva l'Italia. Salut à tous, je me présente Ibrahima, cofondateur de Make Your Name. On est ici présent pour la Coupe du Monde féminine des quartiers à Évry-Courcouronnes. Et on est aussi là pour présenter le projet Make Your Name, le réseau social du sport, le LinkedIn du sport qui permettra aux athlètes, coachs et entraîneurs de se créer un profil pour y mettre du contenu afin de promouvoir par le biais des fans et afin d'avoir des opportunités créées par les agents, clubs et recruteurs. Rejoignez-nous sur Instagram, sur ce QR code-là et soutenez-nous parce que l'application sortira en septembre 2023. Alors Sariati, on te remercie déjà de nous accueillir. J'espère que tu vas réaliser un très très grand tournoi, j'en suis sûr et certain, et plein de bonnes choses pour la suite. Bah bonjour, moi c'est Nangalé, je fais partie du staff et je viens aider Sariati du coup pour la première Coupe du Monde féminine. Je suis très contente d'accompagner ce type d'initiative, franchement ça, c'est beau, ça fait plaisir à voir. Et puis j'espère que vous allez profiter autant en vidéo que nous ici sur place. Un mot pour Sariati, Sariati je suis à fond derrière toi, franchement bravo pour tout ce que tu fais, c'est génial. Et puis je t'envoie plein de bisous et je t'encourage au maximum. Bon, aujourd'hui on est à la Coupe du Monde des quartiers féminines à Évry. L'événement est organisé par Idaraya et Saria. On était obligé, c'est obligatoire, on est obligé de venir. Ouais. Si on ne nous donne pas de force, personne ne va donner de force. Donc l'événement il est beau, la cause elle est noble, ça réunit plein de monde, il y a tout âge, il y a toute couleur, il y a toute ville. Et c'est ça qui est beau. Donc nous on est vu soutenir, moi je vais être à la table des scores si ça vous intéresse. Mais voilà, on était obligé de soutenir, c'est une belle cause et bravo. Donc n'hésitez pas à suivre sur les réseaux sociaux et à suivre l'actualité de l'association. Et go Saria, bravo pour tout ce que tu fais. Nous on est à fond derrière toi. Et on sera toujours là. Voilà. Du coup nous on est l'équipe de l'Égypte, on est venu beaucoup sur le volontariat. On est venu sans coach, on est là parce qu'on aime le foot et on va tout donner. Il y en a qui sont venus avec une... Moi j'ai repris le foot récemment, il y en a qui sont venus parce qu'ils aimaient et d'autres qui n'ont même pas touché un ballon, mais on va faire tout notre possible pour gagner le tournoi. Bonjour à tous. Nous, on représente l'équipe de la Palestine. Donc, voilà. Aujourd'hui, il fait beau, tout ça. Voilà. Bon terrain. On est venu avec jouer. Équipe. Voilà. Pourquoi pas arriver bon en finale moment. Et tout. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Voilà, la finale, Inch'Allah. Bon, faut y aller. Allez. Comme vous l'avez entendu, la compétition va démarrer. Je vous laisse donc avec le discours d'ouverture de Sariati, la présidente de l'association. Vraiment, notre objectif, c'est de permettre aux femmes de prendre leur place dans le sport. Parce qu'il n'y a pas que les gars. Et ce soir, aujourd'hui, on le prouve avec ce tournoi. De toutes vous avoir ici, ça me fait vraiment plaisir de dire que ça y est, on l'a fait. À Évry, la première Coupe du Monde féminine, les gars! Du coup, comment ça va se passer? On va partir sur des matchs de poule. On va être sur 12 minutes. Deux premières de chaque poule, elles sont qualifiées. Et ensuite, on fera aussi un championnat de bas de tableau. Et n'oubliez pas, le lot pour les gagnantes, vous partez en Côte d'Ivoire pour assister à des matchs de la CAN de 2024. C'est bon ou pas? Vous validez ça ou pas? Aujourd'hui, on est là pour s'amuser. Pour gagner aussi, je me doute bien. Et let's go! C'est parti pour les matchs de poule.
je profite donc de cet instant pour interviewer la présidente. Du coup, moi, c'est Saria, présidente de l'association Idaraya. Et d'ailleurs, Idaraya, c'est une association qui permet aux femmes et aux jeunes filles de pratiquer du sport en loisir. On fait avec les femmes des five, une à trois fois par mois. Et avec les plus jeunes, on fait des stages pendant les vacances scolaires de foot et de rugby. Donc, comme vous le voyez, aujourd'hui, on organise notre première Coupe du Monde féminine. On a 16 équipes qui viennent de toute la région. Et là, ça a commencé. C'est pas facile d'organiser des événements, je vous le dis. C'est compliqué. Mais aujourd'hui, je suis contente parce que quand je vois le résultat ce matin, je suis hyper contente. Les filles, elles sont motivées. Elles sont là, elles ont envie de jouer. En même temps, le lot, il donne envie. Hein, un voyage en Côte d'Ivoire pour aller voir la CAN. Du coup, je remercie l'ensemble des partenaires qui nous ont permis en fait d'organiser cette journée. Donc merci à nos partenaires, merci à tous les membres du staff, les bénévoles, parce que sans eux, aujourd'hui, on n'aurait pas pu faire ça. Un big up à ma famille, c'est important. Merci à tous, je suis désolée, on m'appelle. Comment ça, vous n'avez pas gagné? Non, vous avez bien joué. Bravo, bravo. Vous êtes contente? Oui. Non, je veux les 2009. Oh là là. Oh là là, la jeunesse. 2010. Ça, faut dire un nom. Une photo, parce que c'est moi qui a marqué. C'est une vidéo. Pendant que les matchs se poursuivent, des personnalités ont fait le déplacement pour soutenir cet événement. Découvrons ensemble les mots du comédien Zatis et de la speakeuse Namnata. On a la première Coupe du Monde des quartiers féminines. C'est ça. À Évry. Et ça se passe super bien. Et ça se passe super bien. Comme je le répète, Idaraya, c'est très très fort ce qu'elle a fait. Ouais. Première Coupe du Monde des quartiers féminines. Réunir autant de monde, autant de filles en un même lieu pour un même objectif, c'est très très fort et il en faut encore plus, ce genre d'éducateur, ce genre d'association, il en faut encore plus. Nous, on connaît le tournoi Impulstar et on a un deuxième tournoi incroyable qui va prendre de l'ampleur, je pense, avec les années qui viennent. Et là, c'est la première édition, on voit déjà ce qui est fait. On n'imagine même pas la 10e, 15e, 20e, Inch'Allah, édition. Ça va être incroyable. Toutes les équipes sont au taquet. Les fils donnent, il y a grave du niveau. Et on a hâte de voir les prochaines éditions. Déjà, là, j'ai envie de rester là. Je dois partir, mais j'ai envie de rester un peu là. Franchement. Tu vois que la mission, elle commence à t'accomplir. Ouais. Juste, il a entendu une fois, il est venu. Et là, il a envie de rester. Incroyable. T'es mal soleil, t'es mal monde. Trop bien. T'es mal la musique. C'est trop bien. T'es mal bien à gagner. Parce que pour une première, c'est quoi? C'est rendez-vous à Babi. Rendez-vous à Babi. Pour une première, c'est très. Hé hey, t'entends le son là? C'est là-bas, on va. Place à la pause, le temps de prendre des photos, se restaurer, gagner des cadeaux, assister aux prestations des artistes, mais aussi s'ambiancer. On a la série. On a les Comores et la Côte d'Ivoire. Retour pour les quarts de finale et voici l'un des moments forts de cette compétition, la session penalty opposant le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Regardez. Sur les épaules sénégalais. Et les Ivoiriens. Il faut qu'elle marque. Oui, attendez. Doucement. Là, doucement. Non. La pression. Aïe. Là. Elle prend pas beaucoup d'élan. Voilà, pour nous c'est terminé le Sénégal, on a bien joué, on a participé et c'est l'essentiel. L'essentiel c'est de participer et voilà, on est contente même si on a perdu et voilà. Je sais pas si c'est bien. À l'issue de ces nombreux matchs, c'est donc la Palestine et le reste du monde qui se qualifient pour la finale. Avant de vous montrer le lancement du match, je vous laisse avec le discours de remerciement de Sariati.
Merci, merci vraiment à toutes. Je vais commencer par les joueuses parce que sans vous, ça n'aurait pas été possible. Ça fait vraiment longtemps qu'on travaille sur le projet. Ça a fait depuis le mois de janvier avec une équipe. C'est vrai que nous, on voulait faire ça parce que les garçons, quand ils ont organisé la CAN en 2019, oui, c'est les vénètes et les épines. La CAN épine les os. Et donc, quand ils l'ont organisé, je me suis dit, mais attends, nous, les filles, on passe. Mais pourquoi? Et moi, j'ai un peu ce mindset de me dire que si un garçon l'a fait, il peut le faire. Donc, je me suis lancée cet objectif quand j'avais vu les garçons de faire une coupe du monde. Et je crois que c'est. Donc, vraiment, je suis remercie à tous nos partenaires. Je ne vais pas laisser vous appuyer à ma boue. Merci, merci, merci à tous. Je vais dire un gros big up à Léonce. Chaque vainqueur de chaque département de la région Île-de-France, c'est-à-dire les 8 départements, 75, 77, 93, 92, etc., de participer à la Coupe d'Afrique des Nations, donc pour les vainqueurs de chaque finale. Donc bon courage aux finalistes. Merci à Diarra de m'avoir mis en lien avec une association que je ne connaissais pas. Et franchement, j'ai des déplacements du 93 et je ne regrette pas parce que franchement, bonne ambiance, bon esprit. Et donc franchement, ce sera un plaisir de partir avec vous. Bon courage à tout le monde. De toute façon, c'est le meilleur gars. Et puis à très bientôt. Merci, merci.
la Palestine. Bravo à vous. Elles ont mérité ce trophée. Il y en a plus, il y en a encore. Comme vous le savez, il y a le voyage en Côte d'Ivoire. Ça, c'est bouclé. C'est combien de temps? Ça part longtemps. On va partir ensemble, vous me rajoutez avec vous quand même. Vous êtes... De toute façon, vous avez... Go, 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 voilà. Et en plus, vous avez des Wonder Box. Il y en a deux, il y en a cinq, donc ça veut dire deux par personne. Massage, vous allez faire sport. Comme c'est pour vous, entre vous, pas de bruit, tout ça c'est dedans. On va montrer pour vous. On va pas dire au moins. Ah là là. Ça va aller ou pas? L'émission touche à sa fin et vous l'aurez compris, c'est la Palestine qui remporte cette première Coupe du Monde féminine des quartiers. Félicitations à vous les filles, félicitations également aux joueuses. Félicitations à Sariati et son association. Merci au staff, bénévoles, partenaires et tout acteur ayant contribué à la réussite de cet événement. Ce fut un honneur et un plaisir pour la Naledisso d'y participer. On se donne donc rendez-vous l'année prochaine. Pour plus d'émissions, je vous invite à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et pour toute demande de partenariat, n'hésitez pas à nous contacter par mail. C'était Niara de la Naledisso, je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à la prochaine. Plein de bisous les Naledis.